Découvrez Décideurs en région avec la Caisse d'épargne. Le succès de la reprise d'une entreprise industrielle en difficulté repose sur la vision des dirigeants et leur capacité à adapter l'organisation aux évolutions du marché. Nous sommes allés à la rencontre de Vincent Gruau, le président et repreneur de Magincia. L'entreprise qui fabrique du mobilier de bureau a été rachetée puis réorganisée complètement depuis 2006. Regardez. Je suis chez Magincia depuis 2005, alors qu'il ne s'appelait pas Magincia à l'époque, mais Samas, qui était en situation de redressement judiciaire et qu'on a remonté jusqu'en 2008. Et elle s'appelle Magincia depuis 2009. Une des spécificités de l'entreprise et sur laquelle on capitalise depuis le début, on commence par la recherche et le développement des nouveaux produits, la fabrication, l'installation, le montage chez nos clients et nous commercialisons avec nos propres équipes. Donc on maîtrise tout de A jusqu'à Z, jusqu'à l'utilisateur final. La Caisse d'épargne est intervenue à deux niveaux. Elle nous accompagne sur le plan économique au travers de ce financement bancaire et elle a bien compris les enjeux sociaux qui nous sont chers au travers de l'actionnariat salarié. Donc le fait de nous accompagner sur ces deux sujets est bien la preuve de la bonne compréhension de la stratégie et de l'ambition de l'entreprise. Le partage de valeurs communes entre Magincia et la Caisse d'épargne a donc contribué à créer une relation de long terme. Et selon Vincent Gruau, l'ancrage régional de sa banque a largement favorisé le climat de confiance qui règne aujourd'hui entre les deux partenaires. C'était Décideurs en région avec la Caisse d'épargne, la banque nouvelle définition.